Incroyable, nous sommes à Bruxelles, nous sommes dans l'atelier de José Mangano. José Mangano, c'est une personne que l'on désirait rencontrer depuis très longtemps. Nous avons eu des rencontres de temps en temps, de façon éphémère, au salon Elle se livre en 2017. Nous nous sommes rencontrés par téléphone, petite interview très courte, mais ce n'est jamais la qualité du direct, bien entendu. Et puis nous sommes en compagnie d'une autre auteure, d'une auteure que nous apprécions beaucoup, Siska Larouge, qui a sorti un nouveau livre, un livre de nouvelles qui nous surprend toujours par le côté incisif de son écriture. Et cette fois-ci, elle écrit au diable. Mon Dieu, parfois elle me fait frémir. Alors, José, merci de nous accueillir dans ton atelier. Superbe atelier, on n'a plus envie de parler, on a envie de regarder, de se plonger dans tes œuvres. Ce sont des œuvres qui sont impressionnantes, qui sont fouillées, je dirais, et qui sont propres à ta plume, à ton pinceau, à ton imagination. On dirait presque une imagination tourmentée, non ? C'est possible. Je suis quelqu'un en général calme extérieurement, mais sans doute qu'à l'intérieur ça bouille. Oui, et puis tu ne fais pas que ça. D'abord, tu travailles dans une société qui est mondialement connue, que l'on appelle Oxfam Belgique, qui touche un peu à tout. Là, qu'est-ce que tu fais exactement dans cette société? En fait, c'est Oxfam Solidarité, parce qu'il existe trois Oxfam en Belgique. Voilà, je me suis bien planté. Voilà. C'est Oxfam Solidarité, existe Oxfam Magasin du Monde, et l'équivalent en Flandre. Oxfam Weltwinkels. Et donc chez Oxfam Solidarité, je suis graphiste. Qui l'aurait cru. Je suis graphiste depuis 37 ans. Je suis le plus ancien d'Oxfam en Solidarité. En fait, ça fait vraiment un bail. J'ai connu plein d'histoires. J'imagine. Tu es sculpteur, tu es peintre, tu es graphiste, tu es écrivain aussi, parce que tu écris de la poésie. Je ne sais plus par où aller, par quel chemin te présenter, parce que si l'on prend un chemin artistique ou l'autre, on retrouve José Mangano. Comment ça se fait, ça, que tu touches à tout? Ce n'est pas un risque de funambule qui peut un jour se casser la figure parce qu'il le s'éparpille. De funambule, oui. Ça, je crois que oui, mais j'écrivais justement à un ami l'autre jour que j'adore ça. J'adore ça, prendre le risque et qui ne prend pas le risque. La vie est un risque. Oui, donc, l'amour est un risque. L'amour, peu importe, je veux dire, le chemin qu'on prend, nous prenons des risques de différents degrés, évidemment. Risque de changement, le risque de s'y perdre, mais aussi le risque de se retrouver, de trouver un meilleur chemin. Donc voilà, ça c'est la vie. C'est la vie, mais c'est malgré ce risque, c'est très positif. Et tes approches sont colorées, parce que tes œuvres sont colorées, et l'on trouve, principalement dans tes peintures, énormément de personnages, comme si tu rejoignais l'origine de la vie. C'est vrai, c'est un peu primitif. Je pense qu'il y a deux facteurs d'une manière, je l'ai analysé moi-même, donc d'une manière, c'est la première partie, je crois, le fait de venir du sud d'Italie, d'avoir eu des parents plus âgés qui m'ont laissé beaucoup de liberté, même si j'ai eu un trajet assez étonnant parce que je travaillais depuis mon enfance tout en étant à l'école. Malgré tout ça, je veux dire, le soleil, les amis, tous ces gens-là m'ont apporté beaucoup. Et la deuxième partie, je pense que la collaboration et les contacts que j'ai eus avec l'organisation Oxfam et des personnes, j'ai connu dans les années, début des années 80, des médecins qui venaient du Vietnam, de la guerre du Vietnam, parce qu'ils reconstruisaient ça. J'ai connu des gens qui sont devenus des réfugiés, qui sont devenus ministres au Chili par un ami qui j'étais dormir aussi chez lui ici, qui ont s'amusé, voilà. Des gens qui avaient quelque chose à dire et qui m'ont apporté, m'ont enseigné. Alors, enseigner, certes, et puis on rencontre des personnes très humbles et assez éclectiques à l'ouverture d'esprit. Évidemment, c'est une expression un peu personnelle, ouverture d'esprit, puisque non seulement tu es un artiste qui commence à être connu, je dirais presque mondialement,
tu viens d'effleurer un peu le sujet, mais tu aides également les autres artistes en glissant tes œuvres sur des couvertures littéraires. Alors, on a à côté de toi une auteure que l'on apprécie énormément, Chichka Larouche. Nous avons présenté ton premier ouvrage et puis maintenant tu es venu avec un recueil de nouvelles. Alors, Chichka, moi ce que j'aime en toi, c'est ta plume incisive. On ne s'embête pas, c'est presque un essoufflement de te suivre. Et lorsque l'on ouvre la première page d'un de tes ouvrages, c'est pour affronter la nuit en une traite, on ne dort plus. Alors, d'où te vient cette passion littéraire? C'est une question bateau, je le sais, mais d'où ça vient, cette espèce de marathon de plume? L'envie de faire, l'envie de découvrir, l'envie de me découvrir aussi. Et puis, oui, c'est un robinet, moi, mon écriture. Je suis au spectacle de mon imagination et je m'amuse tout autant, à mon avis, que les lecteurs parfois de cette folie, quoi, de cette folie. Mais écriture incisive, on l'a dit, mais rapide. Et puis, un livre à peine terminé, l'autre sort. On retrouve un peu José. Que j'écoute José parler, effectivement. Moi, je suis graphiste aussi de formation. Mmh. Et donc, le côté image, le côté visuel, enfin, c'est quelque chose que je pense faire ressortir dans mon écriture aussi. Mais c'est vrai que j'ai la même frénésie de faire en écriture que lui, là, dans sa création. Oui, sauf que toi, tu aimes bien torturer et tuer de temps en temps. Je me défoule. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé précédemment, c'était l'histoire du clown, du clown triste peut-être, mais l'histoire du clown, et je crois que ça, c'est un côté que j'ai en commun avec José, ce côté clown qui effleure. Ben, le côté coloré, fantaisiste de l'âme humaine, ben, ça se voit dans tout ce que José écrit. Et moi, c'est ce que j'aime bien effleurer avec la plume. J'ai envie de montrer les gens dans leur facette multicolore, dans le noir, dans le rouge, le multicolore, vraiment. Oui, justement, on parlait de crime, mais ça peut paraître un peu glauque, mais pas du tout, parce que c'est une écriture amusante aussi, il y a énormément d'humour. Je crois me souvenir, lors de la première interview, de notre première interview, qu'on avait fait une légère comparaison avec, si je ne me trompe, Le Gardien. Oui, mais bon, moi, c'est ce que j'avais dit aussi à ce moment-là, c'est que les comparaisons, je ne sais pas me comparer à qui que ce soit, c'est peut-être... Enfin, j'en sais rien, en fait. C'est vrai que depuis que j'écris, en fait, en plus, je lis de moins en moins. J'ai plus le temps. J'ai plus l'envie non plus. Je suis dans cette frénésie d'écrire qui me lâche pas, quoi, de faire. Et je peux m'installer partout et commencer une nouvelle histoire. Ça devient même un peu frustrant, un peu fort frustrant d'être dans cet état-là parce que, du coup, j'ai à la limite plus envie de rien d'autre. Et le théâtre, est-ce qu'il y a une approche possible? Oui. Mais tout ce qui touche à l'écriture, c'est un laboratoire. Et un peu comme José fait de la sculpture, de la peinture. Moi, je touche aussi un peu au scénario, au théâtre. J'ai fait une petite nouvelle théâtrale, en fait, dans le cadre des collectifs d'écrit. Je participe au collectif d'écrit dans un petit groupe qui s'appelle La Ligne 10. Et bon, ben là, c'est l'occasion chaque année pour moi de m'essayer une autre forme d'écriture. Et j'ai fait ça aussi. Et ça me botte aussi. Donc voilà. La réaction de... Oui, c'est vrai qu'on a une... Allez, on a quelque chose qui nous ressemble vraiment. Parce que moi, c'est... Le matin, avant d'aller travailler, je suis ici. Donc, le midi, je suis devenu vraiment fou parce qu'au lieu d'aller manger, socialiser avec les autres, je suis attiré par ici. Le soir, je passe au moins 3 heures ici. Donc, j'ai l'impression d'être tout le temps ici, même si je suis ailleurs. On doit habiter ensemble, en fait. Et avant, j'ai sorti, j'allais manger dans un petit restaurant social et je faisais plein de dessins. Donc je n'arrêtais pas ce côté, c'était... C'est marrant, ces expressions qu'on pourrait appeler l'expression de l'âme. Mais c'est un polémique de l'art, moi je dis. Oui, voilà. Ça sort
tout ce besoin de création. D'où viennent ces œuvres? De l'esprit, bien sûr, d'un talent également, mais l'inspiration, ça vient d'où? Mais c'est comme un courant qui passe naturellement. Et moi, je pense que plus on fait des entraînements de créer, d'inventer, plus ça vient. On dirait que c'est un sac sans fond. Donc voilà, c'est tout le temps. Oui, mais ça se travaille, ce n'est pas inné. Je veux dire, c'est à force de travailler qu'on arrive à mettre ses idées peut-être de façon plus aboutie, non? Moi, je crois que c'est plus l'inconscient qui, lui, il rejette vers le conscient tout ce que nous avons. Donc, on est sans doute des gens observateurs, des gens qu'on a les yeux, les oreilles ouverts constamment. Donc, on emmagasine plein de choses qui se passent autour de nous. Et puis, ça sort selon la capacité, selon les moyens que nous avons. Alors c'est dingue parce que lorsqu'on vous écoute, ça paraît si simple. Mais je reviens à la question, il y a quand même une part de travail, de travail énorme, parce que beaucoup de gens s'essayent à l'écriture, s'essayent à la sculpture, à la peinture, mais ce n'est pas pour ça que l'œuvre est aboutie, ce n'est pas pour ça qu'on arrive à un chef-d'œuvre, ou à une œuvre en tout cas. Oui, c'est certain. C'est certain qu'il y a un travail derrière, il y a un travail technique et d'élaboration de ce qu'on fait, mais je pense que c'est aussi ce côté passionnel et ce côté boulimique d'avaler, de vouloir faire, qui fait en sorte qu'on est plongé vraiment dedans et que moi je vois l'évolution des choses, je vois les changements, peut-être que les gens ne le voient pas tellement, mais moi personnellement, je vois bien que j'ajoute, c'est une maison que j'ai construite, j'ajoute une brique chaque fois. Même s'il faut du temps, mais ces briques s'ajoutent chaque fois comme ça, et c'est comme ça que j'ai grandi. Une brique qui s'ajoute chaque fois, une plume qui met un mot après l'autre. Et Siska, j'ai envie de te poser une question toute simple. Êtes-vous une femme tourmentée? Est-ce que je suis une femme tourmentée? Ben, peut-être que oui. Oui, comme tout le monde en fait, je pense à nouveau. C'est un peu l'expression de mon écriture aussi. Je pense qu'on est tous tellement mixtes. Et oui, sans doute pour créer, il faut être tourmenté, mais aussi tourmenté dans le sens positif, dans le sens d'ouverture, vers la vie, vers les autres. Et ça, c'est vrai que si j'ai une obsession, c'est ça, moi, c'est vivre. Vivre et faire. Et c'est sans doute aussi pour ça que je reste jamais calée devant une page blanche, parce que y a un côté. Je m'en fous, j'avance, et puis je passe pas mon temps à relire mes phrases et à revenir en arrière. C'est vrai qu'il y a un côté tellement, tellement naturel là-dedans. Et puis, à un moment donné, vraiment, moi, je m'étonne de ce qui sort de moi. C'est vrai. Ouais, peut-être qu'un jour, je devrais consulter. Parce que c'est bizarre. C'est très, très bizarre comme état. Parce que je suis presque dans un état d'auto-hypnose. Enfin, j'écris dehors aussi, je ne sais pas écrire chez moi, c'est impossible ça. Je dois me dissocier de mon quotidien pour pouvoir écrire. Et donc ce fait-là, c'est aussi étrange. Hein. Donc oui, je suis multiple. Je suis multiple, donc effectivement, tourmentée, ça peut paraître effectivement bizarre. Oui, parce que la question est un peu étrange également, mais c'est vrai qu'en lisant vos écrits, de temps en temps, je me posais la question à savoir, est-ce qu'il n'y a pas une part d'exorcisme dans votre écriture, puisque elle salue la vie, bien sûr, c'est un feu d'artifice, c'est joyeux, c'est amusant, on rigole, on a des éclats de rire, et quand on creuse un peu dans les mots, on sent malgré tout énormément de... non pas de cynisme, mais comme une forme de fleuve que vous essayez de contenir, un fleuve de tristesse, quelque part. On en a parlé, ça, mais il n'y a rien de réfléchi, en fait. Et sans doute, oui, je pense que toute forme artistique, c'est une forme d'exorcisme aussi. On a besoin de sortir quelque chose de soi pour endiguer... Des énergies qui sont parfois négatives. Oui, il y a un vécu derrière, c'est sûr. Je ne pense pas que je pourrais écrire comme ça
autant je le vois dans les nouvelles, ça me surprend moi-même. Je suis capable de me mettre dans la peau d'un enfant, dans la peau d'un vieillard, dans la peau d'une femme, dans la peau. Et ça, c'est bizarre, c'est parce que je n'ai pas, évidemment pas vécu toutes ces vies-là, forcément. Et c'est sans doute aussi la capacité d'observation, le fait que oui, j'adore passer du temps dans les endroits publics. Et de ces années aussi. Et, oui, mais je ne suis plus là, ça c'est vrai. Mmh. Quand j'écris, je suis absolument ailleurs, je n'ai plus la notion du temps. J'entends plus rien, je suis tout à fait dans une bulle. Là, c'est vrai que c'est parfois perturbant, même pour moi, parce que j'ai l'impression d'être au spectacle de mon écriture. Je ris, je dois avoir une tête pas possible. En fait, il faudrait me filmer non, quand on, je... On filme en ce moment, on filme. Oui, oui, d'accord, voilà. On vous rassure, tout va bien, tout va bien. Mais franchement, oui, pendant que j'écris, ça doit être amusant. Mm-hmm. Il faudrait un jour qu'on me suive sans que je le sache, parce qu'effectivement, je me rends compte parfois, j'entends que je ris, et alors, ouh, ouh, mon Dieu, je reviens un peu dignement, et puis ça repart, et je suis de nouveau plus là, et c'est vrai que quand je relis l'ensemble d'une nouvelle, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, je fais « waouh !» parce que j'ai l'impression d'être passée dans des montagnes russes, autant dans l'histoire que dans les émotions, et c'est chouette, quoi, vraiment chouette. Et alors, les deux personnages de la table, mais pas que, parce qu'on pourrait aussi parler de Thierry et Marie Delaunoy, avec qui vous avez travaillé, mais justement, ces rencontres qui ont été... je sais pas, ont été mises en place un peu par hasard, ou bien vous l'avez cherché, c'est-à-dire que vous avez pris, ou on a repris certaines de vos œuvres pour en faire des couvertures de livres. Donc, on a parlé de Siska la Rouge, hein, deux romans qui sont illustrés par votre plume, par votre art, par votre graphisme. Oui. Les graphismes, et c'est grâce à ces livres, d'ailleurs, que je vous ai découvert. C'était le livre de Thierry Marie Delaunoy auprès de ma blonde, hein, oui. J'avais vu le premier de couverture, et j'avoue très humblement que sans avoir ouvert la première page, je me dis, waouh, quelle couverture, c'est qui le bonhomme qui a peint cette couverture. Et voilà que l'on se rencontre. Mais comment ça s'est déroulé, cette rencontre? Ils sont venus vous voir, vous avez été les voir, parce que placer votre œuvre sur un premier de couverture, c'est un risque aussi. Oui, mais on revient au risque, comme j'aime bien le risque. Mmh. Enfin, j'ai rencontré Thierry Marie Delaunoy à des soirées de poésie. Donc, en fait, c'est simplement Facebook qui m'a un peu introduit que, étant dans mon atelier, que c'est vraiment mon monde, de temps en temps, je fais un peu le clown. Mmh. Donc, et parfois, ça m'est arrivé de réciter des poèmes. Et il y a une autre écrivaine, Sylvana... Oui, Sylvana, oui, Sylvana, qui publie chez Chloé Delis. Voilà, oui. Et qu'elle m'a invité à venir à une de ses soirées chez Cooking Book. Et c'est comme ça. Voilà, ça a démarré que chaque mois, on organisait une soirée. Mm-hmm. Et chaque fois, j'allais aussi là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Thierry Marie Delaunoy. Voilà, mais Ziska aussi, on avait été une soirée... parce que je connaissais un photographe. Voilà, un photographe, Stanley Arthur, qui a fait la photo de couverture de mon premier roman. Voilà. Et donc, j'étais voir son expo et j'ai découvert Ziska. Et voilà, le monde, parfois, on est attiré, on ne sait pas pourquoi, et puis les rencontres, c'est comme ça. Des affinités également. Des affinités secrètes. Il y a un feeling qui passe, un flux qui passe entre les gens. Et voilà, et si on construit ensemble. À un moment, papa a désigné l'horloge à maman. 22 heures. Je me suis tortillé sur ma chaise. Ça sentait les cadeaux à plein nez. Maman s'est excusée. Elle a repoussé sa chaise et elle est montée à l'étage. Dès qu'elle était hors de vue, papa s'est levé. Il m'a tendu le bâton pour la pinata. Grendo m'a regardé grimper sur ma chaise sans comprendre et je me suis mis à taper comme un sourd sur la reine des neiges. Alors que le père, Anselm, mais là je massacre un peu les noms, j'en suis désolé, entamait une prière, la main sur la croix qu'il portait autour du cou, à l'unisson avec papa. Grendo s'est levé d'une détente et ses yeux lançaient des éclairs. Après, je n'ai plus rien compris. Je suis tombé de ma chaise
et en même temps que l'avalanche de bonbons sur la tête de Grendel, il s'est mis à hurler comme si on l'aspergeait d'acide. Je me suis caché les yeux derrière mes mains parce qu'il me fichait une trouille du diable, et quand je les ai rouverts, j'étais toujours assis par terre, et c'était silence total et calme. Alors moi, ça me fait penser à une histoire, mais à un vécu. C'est-à-dire que j'avais voulu faire une surprise à mes petits-enfants et faire comme souvent les parents font. Ils tapent les bonbons sur le plafond et puis ça tombe sur les enfants et ils sont surpris. Alors, cette nouvelle m'a fait partir dans un éclat de rire parce que j'ai eu un parallélisme avec cette histoire. C'est que ma petite fille n'a pas été étonnée. Elle a ramassé les bonbons, elle a dit c'est bizarre et elle les a remis dans l'armoire à bonbons. Donc, moi, j'étais là, la bouche ouverte comme un idiot, et la seule qui rigolait, c'était mon épouse. Et donc, en relisant votre livre, évidemment, on retrouve ces clins d'œil de vie. Et c'est vrai que dans vos livres, il n'y a pas énormément de dialogue. Il y a des films de vécu. On voit des images qui passent, des odeurs qui vous effleurent les narines. Et on a envie de vous suivre, de vous suivre, de vous suivre, de vous suivre. Et parfois, on doit s'arrêter pour reprendre. En tout cas, je ne sais pas comment vous faites, moi j'adore vos écrits. Je vous le dis sans flageolerie, hein, ce n'est pas notre propos, bien entendu. Jusqu'à la Rouge, moi c'est une auteure que j'aimerais mettre en exergue, que j'aimerais pousser en avant. Et puis j'ai appris dernièrement, ou je me trompe, que vous allez aller en France. Mais oui. C'est le salon du livre de Mazamet, en fait. Je vais aller présenter mes livres là-bas et je suis vraiment très très contente, et c'est lié à une personne qui est à côté de moi, qui n'est pas à ma droite mais à ma gauche. Voilà, justement, nous allons nous y retrouver. Voilà. On salue toute l'équipe, hein, entre autres Michel Sabartès, ouais, qui est un homme. Alors là, je tiens à le souligner, c'est un homme qui est parti de rien, qui a porté un salon du livre qui était au départ très humble, tout seul, comme un grand, et aujourd'hui c'est devenu un salon incontournable, un salon à niveau international. Et ça, c'est du bonheur. Vous allez retrouver des auteurs connus, moins connus, mais vous allez faire de jolies rencontres. Entre autres, votre serviteur. Ça sent la passion à plein nez. Non, José, bien entendu, on a parlé de votre art, mais pas que. Vous êtes quelque part un auteur, mais oui, vous êtes auteur, mais un artiste engagé vers la jeunesse. La jeunesse vous tient à cœur. Oui. Pendant longtemps, en fait, j'étais clown d'abord. J'étais pendant 15 c'est vrai ans. Que ça vous va bien. Donc ça reste à vie, ça ne change pas. Mais j'étais président d'une école de clown il y a longtemps. Mais entre-temps, avec l'art, j'ai pu travailler avec des enfants. J'ai travaillé dans des écoles primaires, ici dans une commune en difficulté. Donc j'ai pu m'affronter aussi aux difficultés qui passent ces enfants à s'exprimer. Et la joie de vivre qu'ils ont comme tout enfant. Mais j'ai travaillé aussi, dernièrement aussi, avec des ados dans un système de coaching de l'art. Et ça plaît beaucoup aux jeunes, mon système. Ça marche assez bien. Si en si peu de temps, on arrive à réaliser des choses en commun. Le but, c'est le respect. C'est comment l'un puisse respecter l'autre, comment ils puissent se valoriser. Et donc, tous ces ingrédients, dans ma technique, je les mets ensemble. Donc, ils font des échanges tout en travaillant sur le travail de l'autre sans toucher le travail de l'autre. Donc, c'est vraiment un travail périlleux, mais intéressant comme résultat. Une sacrée leçon de vie et presque une leçon politique. Et c'est étrange, hein, parce que l'art est de plus en plus délaissé, justement, par les subsides politiques. Et pourtant, je l'ai déjà dit 100 fois, lorsqu'une civilisation disparaît et qu'on la retrouve des siècles, des millénaires plus tard, la première chose que l'on découvre, ce sont des œuvres artistiques. Oui, tout à fait. Je suis, d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup à la politique par le simple fait que je suis un démocrate, vraiment, je veux respecter vraiment les expressions, la manière que chacun puisse s'exprimer, vivre entièrement dans cette vie.
la liberté tout en respectant l'autre. Et donc, à travers ces façons pédagogiques que j'emprunte avec l'art que j'ai, donc j'essaie un peu de le partager avec ces jeunes, ces enfants, parce que je travaille aussi avec des personnes analphabètes, ce qui est très très intéressant. Mm-hmm. Une personne analphabète, c'est une personne qui est dépourvue de tout. Ne pas connaître la direction où on va, c'est quelque chose de terrible de nos jours. Et donc, j'ai fait du travail à la fois artistique et pédagogique avec des personnes comme ça. Et je me suis amusé vraiment, pas tout seul évidemment, avec eux aussi. Là, c'est amusant parce que vous parlez de cet échange, de l'al... Oula, je vais me planter. L'analphabétisme, merci. Et je me tourne vers Siska, parce que Siska, tu as non seulement écrit, mais maintenant tu as mis certaines de tes nouvelles sur support audio. Oui. C'est important, le support audio? Oui, mais c'est une facette supplémentaire, en fait. C'est vraiment une manière d'expression... où je découvre encore autre chose de moi-même parce que c'est déjà les nouvelles sont appuyées par des musiques originales. Mm-hmm. Donc là, et tout est fait dans l'instant aussi, donc pour moi c'est assez stupéfiant. Je travaille avec Ketaga, qui est un auteur-compositeur angolais, et il n'est pas francophone, donc il parle français bien sûr, mais de voir quelqu'un qui arrive à appuyer d'une musique ce que j'écris alors que tous les mots ne lui sont pas connus, et donc ça veut, il se fie aussi beaucoup à ma voix puisque c'est moi qui lis les textes comme je peux, mais oui, c'est comme un oignon qui prend chaque fois des couches supplémentaires. C'est magique, en fait, franchement c'est magique. Et je me dis qu'au-delà de l'enregistrement, je suis dans une joie de découvrir, mais pas de me découvrir, ou peut-être aussi, mais de découvrir mes textes avec cet appui-là, et avec aussi la confirmation que mon écriture est super visuelle, parce que j'ai testé ça évidemment auprès de différents publics. J'ai présenté récemment mon recueil de nouvelles dans le Gers, à la médiathèque de Saint-Clair. Là aussi j'ai un petit fan club magnifique, et il y avait un petit public, et on a précédé la séance de présentation par le passage d'une nouvelle enregistrée, et c'était génial parce que j'avais les personnes en face de moi. Il y en a qui fermaient les yeux, il y en a qui se penchaient en arrière, en avant, des gens que peut-être les mots ou l'histoire peut-être dérangeait à un moment donné, donc ça gigote. Enfin, et là je me suis dit, waouh, mais quel petit pouvoir on peut avoir sur les gens comme ça, de toucher. J'ai vu que ça touchait, et c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Mais ça veut dire que le message est passé, le message, oui, entre guillemets, oui, c'est-à-dire une espèce de relation oui, intellectuelle, presque une transmission de pensée. En tout cas, une projection du bonheur, et ça c'est important. J'aime beaucoup le livre audio, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il permet aux nomades, hein, à ceux qui travaillent, de mettre un CD dans la voiture et d'écouter un livre, aux personnes âgées aussi, qui ont plus de difficultés pour lire les écrits, puisqu'il faut l'avouer, les yeux s'usent un peu avec la vie, hein. Ça permet également, on l'a dit tout à l'heure, aux personnes qui ont des difficultés d'écriture et de lecture, parce qu'on parlait d'analphabétisme, mais j'ai découvert dernièrement que, à ce propos, des personnes perdent l'acquis qu'ils avaient, savaient lire, savaient écrire, avec les bases qu'ils avaient reçues à l'école, et pour des raisons de vie, ils ne l'ont pas exercé, ils l'ont perdu. C'est vrai que dans le temps, il y avait le service militaire qui permettait de retrouver ses bases, mais voilà, c'est l'évolution des sociétés, hein. C'est ainsi. Mais c'est chouette, c'est le boulot que vous faites, c'est même important, fondamental. Et il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de cette problématique. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'associations donc, qui s'occupent de... Parce que je ne sais plus maintenant les statistiques en Belgique, mais... Il y a quand même pas mal d'analphabétisme
pur. Bon, l'alphabétisme est souvent recensé chez des personnes venues des pays étrangers, mais il ne faut pas exclure qu'il y en a en Belgique aussi. Oui. En Belgique, des Belges, des Suches qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir avoir un enseignement. Parce que... Oui, et pas seulement ça, parce qu'on parle d'écriture, mais on peut également parler de cet écart électronique, informatique, puisque énormément de gens, on parlait de personnes âgées, c'est le cas, mais énormément de gens sont déconnectés, et donc on arrive à des sociétés à deux vitesses, mais là, on déborde un peu du sujet, mais c'est malgré tout important à le souligner. Oui, oui, oui. Mais moi, dans ma manière de faire, je me suis toujours intéressé un peu aux technologies, parce qu'en fait, je suis graphiste, mais d'une manière autodidacte. Donc j'ai appris, parce qu'en 85, je me suis acheté un ordinateur et je démarrais comme ça. Voilà, comme tout, en fait, tout mon art, je suis aussi autodidacte. Donc j'ai tout inventé, j'ai cette passion. Autodidacte, mais j'ai malgré tout lu, ou alors je me trompe franchement, mais ça m'arrive souvent, dans votre CV, que vous avez suivi une formation à l'académie. J'ai fait très peu. Si on parle un ou deux mois d'académie, c'est pas ça qui m'a donné vraiment les bases. D'accord, ok. Voilà, c'est le mérite d'être clair. Donc, voilà. Donc, C'est la passion que j'ai eue, parce que j'ai fait des métiers insolites. En arrivant en Belgique, chez l'oncle où j'étais, il avait un magasin qui faisait du toilettage pour chiens. Ma cousine avait une formation, mais ça ne l'intéressait pas. Et moi, étant curieux, je me suis intéressé. On a changé le rôle, finalement. Oui, oui. Moi, je travaillais, elle m'aidait. Et donc, j'ai même été travailler pendant 3 mois dans son centre comme formateur. Mais j'ai jamais vu comment faire une formation. Voilà. Les formateurs, j'ai jamais vu une formation moi-même. D'accord. Puisque les gens étaient contents, ben, tout le monde, apparemment, j'avais bien compris la leçon. Donc. Incroyable-vous, Ziska, vous, l'écriture, ça vient d'où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, en plus, non, il n'y a pas longtemps. Ça fait depuis 2013, je pense, que j'ai commencé à écrire des histoires. Bon, évidemment, quand j'étais petite. J'ai toujours bien aimé faire des rédactions, tout ça, ça m'a toujours bien plu. Mais en fait, j'ai deux grands-pères, un grand-père peintre, un grand-père sculpteur. Et donc, depuis toute petite, ça me fascinait aussi. J'allais près des sculptures raconter mes histoires et essayer de comprendre l'histoire des statues. Ah. Et la même chose devant les peintures de mon autre grand-père. Je me rappelle notamment toute petite d'une toile où il y avait mon papa, qui était un petit garçon, il avait 4 ans, il était assis dans une allée, il y avait une maison en contrebas. Mm-hmm. Et comme je connaissais forcément mon papa et je voyais mon papa qui était quelqu'un d'un peu très silencieux, un peu austère comme ça, et je voyais ce petit garçon et ça c'est vraiment un souvenir net de la distance entre ce petit garçon, la maison au loin que je ne connaissais pas et toute la vie de mon père, et ça, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un point A et un point B, et qu'entre les deux, il y avait des histoires de vie, et je ne sais pas combien d'histoires j'ai inventées pour mon père, il ne le sait pas, mais j'en ai inventé beaucoup. Vos parents n'ont jamais lu vos histoires? Non. Enfin, ma maman est décédée en 2011 et elle avait lu quelques nouvelles, mais mon papa était d'une autre génération, il est né en 1912, donc il est mort il y a quelques temps. Et non, il ne savait pas que j'écrivais, il ne savait pas que j'allais écrire, parce qu'à l'époque, il n'écrivait pas. Oui. Mon père, lui, il était de 1915. Ah, écoute, c'était peut-être copain. Je ne sais pas. Mon père n'est pas venu en Belgique, non? Moi, je suis venu, j'avais 18 ans. Oui, je suis venu chez mon oncle, qui était son demi-frère. Je voulais plus vivre là-bas. Et il y avait quelque chose que tu avais dit et qui m'a... Parce que tu dis l'écriture, comment ça vient. Moi, j'ai eu un moment de nostalgie de la Sicile. J'écris beaucoup en dialecte sicilien. J'ai même fait une pièce de théâtre, tout en vers. Oui. Et...
Et il y avait une tante qui me disait, mais comment tu peux écrire des choses comme ça que tu n'as même pas connues? Parce que c'était des choses qui s'est passées une génération avant. Et étant venu jeune ici, j'avais même pas. Allez, c'est étonnant. C'est étonnant des choses qui, d'une réalité, je vais dire des réalités vraies. Toi, tu n'as pas pu l'entendre ou Non, l'emmagasiner, rien, pas rien. toujours. Alors, Après, je on m'intéresse. approche la réincarnation. Il y a Une chose qui est très étonnante, en tout cas chez moi, la peinture, ce style de peinture pendant des 80, dans les années 80 jusqu'à 93, j'ai fait de la peinture, des portraits, des paysages. Mais j'étais tellement mécontent de ce travail, je n'arrivais pas à trouver ma voie et que j'ai tout jeté à la poubelle en fait. Il y a des voisins qui sont venus récupérer, dis-moi pas. Et je suis resté pendant un an et demi sans rien. Et puis Oxfam m'a organisé une soirée sous l'Afrique. Et tout est né comme ça. J'ai fait une couverture d'un livre et tout est né. Et alors, 2 mois après avoir commencé ce style, parce que j'étais effréné, je faisais toujours la nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allumé à la télévision, une chaîne sur les aborigènes en Australie. Un type en train de peindre quelque chose que moi j'avais peint il y avait 2 jours. Le même style, même couleur, même forme. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est dingue parce que. Je dis, ce type avec quoi? Non, je n'ai rien à voir C'est dingue parce qu'il me vole mes questions, parce que j'allais justement approcher ce sujet. On en avait parlé lors d'une interview précédente, c'est que lorsque j'avais vu cette couverture sur le livre de Thierry-Marie Delaunoy auprès de ma blonde, je retrouvais cet art que l'on trouve parfois au cœur, où on parle des aborigènes, on peut parler aussi du cœur de l'Afrique ou même en Europe. Hein. Il y a ces couleurs, ces formes. Tourmentés ou pas, ou qui se dirigent vers l'espoir, ou peut-être vers une recherche. Et on retrouve ce genre, bon, ils sont habillés différemment, bien entendu, mais cette imbrication, je ne sais pas si ça se dit ainsi, mais peu importe. Oui, vraiment, on a cet art, je n'aime pas le mot primitif, parce que primitif, c'est rabaisser nos ancêtres, bien entendu. À l'ancienne, Non, c'est très étonnant. Et alors, il y a quelque chose qui m'étonne en plus de tout ça, c'est que souvent, je dessine toujours vers la gauche. Ah oui. Donc, Donc ça ça va va vers vers un un sens, sens et c'est pas pas dans dans les les deux deux sens. sens. Et Et ça, ça, c'est c'est très très interpellant. interpellant. Ça veut dire que ton esprit se trouve dans dans un un autre autre milieu. Voilà. 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 Souvent, on Voilà. peut On peut regarder, regarder, observer, observer, mais. mais Bon, bon, parfois il parfois ils semble semblent comme comme ça, ça, mais mais la la plupart plupart du du temps, temps, si si on on regarde regarde tous tous ces ces oiseaux, oiseaux, ils vont vont toujours toujours vers vers la la gauche. gauche. À À peine peine le le psychanalyste. psychanalyste. Voilà. Voilà. On Nous avons est José des Mangano qui dessine vers la gauche. Nous avons Et moi, j'écrivais Siska. pas de droite à gauche. Oui, mais avant. Quand vous rencontrez vos acteurs, mon Dieu, quand ils sortent vivants, on en est content. Mais pas que, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. En tout cas, Siska La Rouge, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des écrits qui méritent le détour, qui méritent le repos. Alors, rencontrer Siska La Rouge en même temps que José Mangano, c'est non seulement un plaisir, mais c'est un honneur, un réel honneur. Et puis, une sorte, on peut le dire ainsi, une sorte d'amitié timide qui naît, qui naquit. Naquit, mon Dieu, quel français, n'importe quoi, là je suis parti dans un endroit. Et rien que pour cette amitié, je tiens à vous remercier tous les deux. Alors, Siska, bien entendu, on se donne rendez-vous à Mazamet, au Salon international du livre. Alors, José, peut-être qu'un jour tu nous feras le plaisir également de voyager en France, dans le sud, au centre ou dans le nord, pourquoi pas. Mais méfie-toi, parce que regarde, avant j'étais comme toi, regarde comment je suis devenu. Il ne pense qu'à manger là-bas. Il ne pense qu'à manger au secours. Voilà, merci infiniment d'avoir participé à cette courte émission. Merci infiniment d'avoir pris le temps de consacrer votre matinée du dimanche. Hein. On se retrouve bientôt, puisque tu publies bientôt un nouveau livre. Oui, à la Foire du Livre de Bruxelles, cette fois-ci, j'ai un roman qui arrive, qui s'appelle Les Chaises Musicales, qui est édité chez Ulrich. Et voilà, ça va être chouette encore, je pense. Tu seras présente à Elle se livre? Je vais passer. Tu vas passer. Je vais passer. Et José, tu passes comme chaque année à Elle se livre?
Si, je viendrai évidemment, je viendrai évidemment voir. Voilà. Alors moi je vous propose tous les deux, puisque vous savez que nos émissions seront présentes en enregistrement à ce livre, on vous consacre à tous les deux 30 minutes, même chose, en dialogue, comme maintenant, ce serait sympa, 30 minutes d'enregistrement, voilà, rendez à le prix. Eh bien, c'est sympa. Nouvelle association. Voilà. Merci infiniment, à bientôt. Merci et à bientôt.